Et rebonjour YouTube pour l'épisode 2. Ben oui, on a quand même réussi à faire deux épisodes sur Kirby. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ah, up et select. Alors bon, déjà à ce niveau-là, je sais même plus c'est quoi le A. De toute façon, à ce niveau-là, il faut faire un reset de la console. Et donc c'est up, A, select, et là, extra game. Oh. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on refait le jeu, mais avec des ennemis qui sont tout de suite beaucoup plus énervés. Qui n'ont pas pris leur pause café. Déjà, les poussins ne sont plus des poussins, mais ce sont des coqs. Tout le monde est plus énervé. Là, hop! On a activé le mode hardcore. Et ça, c'était une mauvaise idée parce que ça fait respawn les gens. Il y avait un New Game Plus sur Kirby. Mais ce jeu génial, il y avait un New Game Plus sur un jeu Game Boy. Genre là, hop. Il faisait pas cette attaque avant. Parce que les ennemis ont des nouveaux patterns. Ah, c'est vrai, celui-là, c'est le kamikaze. Ah putain, je me suis fait avoir par la même chose. Alors là, va falloir la jouer fine parce qu'il y a de la vie. Je peux rechoper de la vie. Normalement. Là, on peut choper le coq. Voilà. Voilà, allez là, là. Ah. L'arbre majeur. Et là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non. Putain, je vais me faire troll. Et oui, car les boules avec des pics font 2 de dégâts. Ah, le problème, c'est les esquiver, mais l'arbre il tire quand même. Oh, mais j'ai chié. J'ai chié dans la colle. Non, ils font 3. Merde, je vais devoir faire une save state. Non. Quick save, c'est 6. Voilà, vous avez rien vu. Je suis trop rouillé. Ah putain, c'est vrai que si on se colle contre l'arbre, on prend des dégâts au moment où on tombe. Alors, ce qu'on va faire, vous n'avez rien vu.
Est-ce que là les boss prennent une toute autre tournure hein? Tout à l'heure on faisait ah, il était facile trop facile l'arbre. Que nini. Que nini. Ah. Yes. Yeah. Oh non. Attends, je suis con. Wouah. Parce que je me rappellerai pas si je meurs. Alors je me rappelle plus qu'en faisant des suplexes aux ennemis, ils mouraient. Mais c'était quelque chose dont je me doutais mais que je me rappelle pas forcément. Allez. Du coup, les ennemis sont plus nombreux. Enfin, ils sont pas plus nombreux. Mais en tout cas, ils font plus. C'est pas. C'est une variante des ennemis. Ils font plus mal et c'est pas les mêmes patterns et ils ont pas les mêmes attaques. Genre là, lui il est beaucoup plus rapide et maintenant il balance des. Il balance des pics derrière. C'était voilà. Mec, il se rappelle déjà plus de la route. Non. Yes. Alors là, c'est pas. Il me semble qu'il marche plus vite. Ouais, c'est ça. Du coup, je peux pas me retourner. Je peux pas me retourner pour directement les choper. Avant, je pouvais les taper au même tour que je volais la caisse. Là, je peux plus. On l'a eu. Yeah. Yeah. Une petite pour la route. Ça ne mange pas de pain. Et là, je sais qu'il y a des portes secrètes sous l'eau, mais... Alors, quand on touche le vide, c'est mort instant. Alors non, j'ai pas récupéré ma vie en rechargeant le safe state, ok? Avant, les boulets de canon, ils en tiraient que 3. Maintenant, ils en tirent bien plus. Ah oh, putain, ils m'attendaient en embuscade. Salaud. Eh.
Alors un peu de vie, ce serait pas mal. On fait gaffe au notre coco. Là maintenant, voilà, petit enfoiré. Ah, et là, vous avez vu, la noix de coco a changé de côté par rapport au truc normal pour bien te niquer. Non! Là, j'avoue, c'est compliqué. Là, les poissons ne sautent plus en ligne droite, mais ils font des vagues. Vagues, poissons. Non, 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 non. Putain de canon de tes morts. Ah! Ce jeu, vous allez apprendre que c'est pas parce que... Ah oui! Alors quand on est en feu, avec l'espèce de fleur de feu là que j'avais, et qu'on tombe dans l'eau, du coup ça... Bah ça l'éteint. Et on a plus le power-up. Mais... J'étais sûr que j'allais me louper. Et donc là, c'est plus la même là. Ouais. Voilà, c'était assez obvious qu'il fallait que j'allais reset. Parce que j'avais que 3 PV. Allez, allez. Ouh. Le quatrième et dernier niveau en tant que tel. Ah, ça c'est toujours chiant. Alors là, je crois que les chevaliers là qui lançaient des boomerangs, leur truc c'est que maintenant tu peux plus les aspirer. Ah, et puis oui, ils ont les parapluies qui. Les parapluies démoniaques. Les parapluies de Cherbourg, les fameux. Non, maintenant c'est des lutins qu'on lance deux.
me suis fait balance. Merde. Ah bah les pélicans. Hey. Le mec qui rebondit partout. Allez. Y a pas une vie ou quelque chose par là? Voilà, il y a des portes cachées. Ah, j'ai perdu toute ma vie. Je suis mort pour avoir la porte. Non, j'ai sauvegardé. Je suis un enfoiré. Je viens de sauvegarder sur ma mort. Yes. Je fais exactement l'inverse de ce que je voulais faire. Ce qu'il faut du coup, c'est que je perfecte ça en récupérant la vie. C'est pas imperfect. Non! I am remords. Je suis vraiment nul. On va y arriver. Je crois en cette zone secrète. Le pélican, putain, il y en avait un deuxième. Vite, vite, vite. Ah, c'est. Ah! C'est quoi son pattern à lui? Maman. Et là, il faut choper une bombe. Est-ce que c'est pas un petit peu plus dur que tout à l'heure? Putain, et tu peux pas faire ça? Et là, trop lent. Trop lent, ma gueule. Non, là, ça marche pas si tu fais ça. J'essaie de trouver des strats. Si tu retombes dans le coin... Non, il te touche quand même. Putain! Tu te mets au milieu. Non, ça touche. Quand tu veux que je te tue, mec. Ah, putain. C'est énervant. Là on retombe et là on chope vite une bombe. C'est pas grave, on dirait que ça fait l'affaire. Non, j'ai... C'est un échec. Je me fais bolosse par Kirby. Thank you.
Alors il me semble qu'il y a plein d'objets, il y a plein de trucs cachés dans ce truc. Et je me suis dit, je vais pas sauvegarder, MDR. Bah non, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Truc secret ici, ça ne m'a pas l'air. On va faire tac. Putain, mais nique ta mère. Voilà. On dira rien. Alors là, il me semble que les étoiles, il y a des petites étoiles qui tombent. Ces petites étoiles là vous font des dégâts maintenant. Il me semble que c'est comme ça que ça marche. Alors là, c'est toujours en mode prix. Ah voilà, lui il fait ça maintenant. Je sens qu'il faut le faire plusieurs fois d'affilée. Je sens qu'à certains moments il peut troller et faire plusieurs fois d'affilée. Le plongeon vers la gauche. Non, il l'a pas fait. Il l'a pas fait, ça me va. La vie sauvegarde parce qu'on a plus que... C'est vrai qu'on a plus qu'une seule vie et c'est pour tout le truc. Faut refaire tous les boss avec une seule vie. Ce qui fait que... Je vais déjà relancer. Faut pas que je perde de vie dans le premier truc. Ça va être ultra tight. Bon, d'accord. Très bien. Ça va être ultra tight. Sauvegarde Malite 2. Mais non. Ça va le faire. Faut juste qu'on fasse des perfects à chaque fois. Premier.
ça c'est chiant. Là ça devrait le faire. Oh non, j'ai raté. Oh, non, j'ai détruit sa boîte. C'est contre-productif. Shit. Yes, ça touche. Non. Non, non, je fais n'importe quoi, Ouais, il me semble que ça, c'est le seul endroit où tu peux essayer de faire un double tap. Mais faut être chaud du slip. Olé. Ah, t'es trop haute. T'es trop haute, mes petits. Non. Bon, on a perdu 1. On a perdu 2. Mais je crois que dans le tableau d'après, on peut récupérer 2 points de vie. Du coup, on y va. Bon. Ça, on fait pas. Non! C'est là qu'on peut récupérer des PV, non? Oh, papa! Alors, bon. Voilà. C'est bien ce que je me disais. Mais non, c'est pas game over. Ah putain, j'ai sauvegardé dans le monde en plus. Je suis un connard. Seul espoir, ça aurait été qu'il y ait un passage secret, mais je crois pas qu'il y en ait. Ça va être chaud là. Ça va être chaud du boudin. Non, je suis allé dans la bombe. C'est celui-là qui va me poser le plus de problèmes. Les deux autres, l'autre est King DDD, ça va aller. C'est celui-là qui va me poser le plus de problèmes. Oh non, j'aurais pas dû me faire toucher sur ça. Ah! Chier. Hey. Oh non! Elle a remonté. No. Mais non, je revais dans les bombes. Ah! Ah, c'est celui-là mon pire cauchemar. Parce que être précis avec Kirby, Kirby est pas fait pour être dans ce type de jeu. Il est clairement pas suffisamment agile. Non.
En vrai, voilà pourquoi je ne peux pas faire de RPG. C'est exactement pour cette raison, c'est parce que je rush les jeux et je prends pas le temps d'avoir plusieurs vies. Je prends pas le temps de farmer comme il le faudrait. Parce qu'en vrai, j'aurais pu avoir beaucoup plus de vie arrivé ici. Mais je suis un petit con. Ah! Oh non! Bah non. Je ne veux pas devenir fameux. Alors, voilà. Toi, tu es banni. Voilà, reprenons. Du coup, je suis déconcentré. Ce sera ma raison pour la prochaine mort. Non! En vrai, j'ai du mal avec le pattern parce que les boulets font des vagues. Alors, je sais pas si ça rend très bien à l'émulateur, mais les boulets font des vagues. Et du coup, bah, tu sais pas trop où sont les hitbox en fait. C'est un peu ça le problème. Parce que toi, en même temps, tu clignotes, les boulets clignotent, tout clignote. C'est ça qui est un peu le problème. Il y a un peu trop de clignotement dans cette scène. Et Kirby a la maniabilité d'une poêle à frire. Et je sais pas si vous avez déjà vu une poêle à frire voler, mais c'est pas ouf. Non ! Encore, c'est près du but. Ah, mais j'arrive vraiment pas. C'est vraiment celui-là. Ah, mais merde. Je vais prendre un aimbot. Le problème, c'est que les boulets ne sortent pas exactement de là où est le canon, en fait, non plus. Ça, c'est une autre histoire. Ouh. Alors, on sauvegarde et il nous reste un PV. Alors, est-ce que cette strat fonctionne? Ah! Ah bah du coup, on a plus de régène. Ah, c'est dommage ça. Oh, genre ça a touché. Parce que je crois qu'il y a... Quand en mode normal, il y a dans un des niveaux, il y a de la régène. Mais du coup, pas en mode... Pas en extra. Du coup, faut qu'on finisse le jeu avec un PV. Je dis, c'est faisable. Et là, je me suis fait avoir sur celui-là, mais c'était de la merde. Voilà, c'est ça, il peut feinter. Il peut feinter.
Ah, pourquoi il est... J'ai l'impression qu'il est plus rapide que tout à l'heure. What the fuck? Tout à l'heure, c'est passé sans problème. Ah, je suis troll. J'ai dégommé une bombe avec une bombe. Voilà, il peut le faire deux fois d'affilée. Voilà. Ceci confirme cela. J'ai confirmé toutes mes théories. J'adore comment le sprite il est mal découpé et que du coup ça fait un carré quand il est encore sous forme d'œil. Ah! Et je crois qu'il troll plus quand il est dans ce mode là. C'était vraiment en pattern fixe tout à l'heure, mais quand on est en mode replay King DDD, il est en mode trollage. En mode trollage MDR, je sais pas ce que je vais faire. Je suis trop imprévisible pour toi, ma gueule. Oh non, ça m'a touché. Il y a le pixel de ses morts qui m'a touché. Bon, voilà, c'était plus qu'un pixel qui m'a touché. Ah, j'étais sûr qu'il est trollé. Alors, est-ce que c'est pas plus rapide de sauter? De sauter et de gravité? On va tester. Ouais, je pense que c'est plus rapide. Ouais, c'est plus rapide de faire ça. Enfin, c'est plus safe. Allez. Ouf. On y croit. Yeah. C'est vrai qu'il est plus énervé. Ah oui, là il saute plus dessus spécialement, mais il saute en aléatoire. Ah oui, les étoiles te tuent et il est beaucoup plus énervé de manière générale. Oh, il m'a enchaîné, il m'a combo. Il m'a combo total. Mais merde. Ah,
que Kirby qui glisse. Ah! Bon bah voilà, j'ai niqué le jeu. J'étais sûr que j'allais faire ça à un moment. Ça nous permet de voir cet écran de continu. Bah easy. Je me rappelle plus qu'il y avait cet écran de continu. Shit. Oh non. Ah. Foiré. Putain, on a cancel nos étoiles. Mais non! Ah, il est tellement plus rapide. C'est insupportable. Non! J'aurais dû pouvoir échapper à ça. J'ai l'impression que ça aspire de plus loin, ça aussi. Ah! Mais t'es hors écran, mec! Tu peux pas me taper quand t'es hors écran. C'est contre la convention de Genève. De vouloir me valer. Voir relou. Ah! Ouais, il me faire cracher l'étoile que j'avais en plus. Ça se joue à rien. On a fini le mode extra. Bon, à l'époque, je le faisais en one credit. À l'époque. C'était pas qui révolue. Hein. Le suspense. C'est ça. Cette insoutenable situation. Mais du coup, il y a un petit truc quand on finit le mode extra. Sur ce sprite que tu te rends compte à quel point un Kirby c'est juste un rond.
c'est que quand tu finis le mode extra, tu as le bestiaire. Je crois qu'il est dans le tableau d'après. Le cochon, pas cochon. Lololo et la la la. Ça, c'est des bons noms, comme on savait faire à l'époque. Kaboula. Alors. Cochon, pas cochon. Scarfy. C'est une écharpe. Yes. Ah, et on a les ennemis on avait les ennemis gentils et là on a les ennemis méchants du mode extra là. Mais du coup alors ton avis sur ce jeu Game Boy qui est simplement divin? Et le King DDJ. Mais oui, meilleure qualité, c'est un super jeu. Et maintenant, tu es notre héros. Deuxième mot de passe pour accéder au menu. Et là, on a la bonne fin. Parce que tout dans l'autre mode, dans le mode normal, on avait la fin où le King DDD il était tout triste. Alors que là, en mode extra, eh ben, y a Kirby qui vient lui remonter le moral. C'est mignon. Même la musique est mieux que Cool Spot. Mais tout est bien, tout est bien. C'est un jeu Game Boy avec un New Game Plus. Du coup, là, si on fait un coup de reset. Alors, c'est pas la bonne touche. C'est... Si. Et maintenant, on fait débat select. On a accès aux options. Donc, on peut se mettre moins de vie. Si on va challenge, on peut se mettre plus de crédit. Et on peut aller au Sun Test. Faudrait que je clique. Faudrait que je mette ça en son de sub. Mais j'aurais trop la flemme de le faire, du coup ça ne sera jamais fait. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette Kefanthologie 4 et de cette deuxième vidéo de Kirby. Salut YouTube.